Ouais, mon frère, dépêche-toi, 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 vas-y, vas-y, prends, 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 vite, 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 vite. Même si tu es fier, d'accord, c'est bien, tu es fier, comme Abdullah ibn Mas'oud. Abdullah ibn Mas'oud, sa sœur, elle est partie, enfin, sa femme, Zayn, il est parti chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, faites le monde, faites le monde, faites le monde. Et la femme de Abdullah ibn Mas'oud, parce qu'Abdullah ibn Mas'oud, il était pauvre, il avait rien. Et quand sa femme Zaynab est revenue, il a dit, va demander. C'est-à-dire, Zaynab dit à Abdullah ibn Mas'oud, va dire au prophète, est-ce que je peux faire le monde pour mon mari? C'est-à-dire, je peux faire le zakat pour mon mari. Mais Abdullah ibn Mas'oud, avec sa fierté, il dit, va demander toi. Pourquoi je vais aller demander moi? Je t'ai rien demandé moi. Va demander toi au prophète. Et Zaynab radiallahu anha, il est parti chez le prophète, il dit, est-ce que je peux faire le monde pour mon mari? Et le prophète, en souriant, il dit, oui. Car tu as gagné deux récompenses, la récompense de l'aumône et la récompense de proche de ton mari. Alors on dit à ce frère-là, oui, c'est cette sœur-là, mais que la sœur le précise bien. Faites très attention, ma sœur. Soit tu dis à ton mari, je te prête de l'argent, soit tu dis à ton mari, je te le donne cadeau, soit tu dis à ton mari, je te donne mon argent, employe-le comme tu veux. Bien préciser les trois choses. Je te donne mon argent comme avance, crédit. Je te donne mon argent comme cadeau, hadiya, sadaqa, zaka. Ou alors, je te dis que tu peux agir dans mon argent comme tu veux. Alors, il précise, est-ce qu'il lui donne comme cadeau, hadiya, ou comme avance. Alors on dit au frère, tu prends cet argent, mais bien précisé, dis à ton ex, à ton proche épouse, est-ce que c'est un crédit, une avance, quand j'aurai les moyens, je te les rends, ou c'est une hadia, un cadeau. S'il te dit un cadeau, hani allak, va te marier, va vite te marier, et ne reste pas comme ça. Non, faddal. Attention à la sœur, ne pas venir par après dire, ah, si tu travailles, donne-moi l'argent. Ouah, tu te rappelles, je t'ai donné mon argent, tu te rappelles, maintenant tu ne me donnes pas ton argent, rien. Soit tu lui dis crédit, avance, soit cadeau, hadiya, sadaqa. Et si tu le donnes sadaqa, ne viens pas après dire, ah, tu te rappelles, ah, tu te rappelles. Non, il ne doit pas se rappeler, et toi non plus, tu dois l'oublier. Faddal.